وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au chapitre du fait de hâter la rupture du jeûne et de retarder le repas de la fin de nuit, as-sahur. Le premier hadith, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Sahl ibn Sa'd, où il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. » Le deuxième hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, donc le hadith d'Abu Huraira, où il est dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le hadith al-Qudsi, a dit « Mes serviteurs les plus aimés sont ceux qui hâtent le plus la rupture du jeûne. » Ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, les savants ont discuté quant à son authenticité. Certains l'ont considéré faible et d'autres ont vu qu'il y avait d'autres chaînes de transmission qui pouvaient le renforcer et qu'on peut considérer qu'il est hasanun li ghayrihi, qu'il est acceptable à cause de toutes les chaînes de transmission qui ne sont pas d'une faiblesse très forte, qui peuvent se renforcer les unes les autres. Le troisième hadith, c'est le hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Il rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Prenez un repas en fin de nuit, car ce repas contient une baraka. » Et ce dernier hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit que ces trois hadiths sont dans le même sujet. Ils parlent d'abord de la rupture du jeûne, le fait de s'empresser à rompre le jeûne. Et ils parlent aussi du fait de retarder et de faire le repas de fin de nuit, qui s'appelle sahur, ou bien as-suhur. Donc on voit la recommandation dans ces hadiths de la rupture du jeûne dès le coucher du soleil. Et on va voir dans les prochains hadiths que l'on va parler, dans l'explication, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait auparavant par rompre le jeûne avant de prier, avant de faire la salat. Et ce sont les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire et qu'il recommandait de faire, c'est s'empresser de rompre le jeûne et s'empresser de faire salat al-maghrib. C'est la sunna du prophète alayhi salat wa sallam. Donc, dès que le soleil s'est couché, c'est-à-dire que le disque solaire est passé complètement derrière l'horizon. Et le coucher du soleil en islam, il n'est pas comme le coucher du soleil qui est annoncé à la météo.
à la météo, dès que la moitié du disque solaire est sous l'horizon, ils disent que le soleil s'est couché. Alors qu'en islam, il faut que le disque solaire en entier soit sous l'horizon pour dire que le soleil s'est couché. Donc faites attention, vous ne pouvez pas vous baser par exemple sur le coucher du soleil qui est annoncé à la météo pour rompre le jeûne. Il y a quelques minutes à ajouter à cela. Ça c'est une première chose. Comment on reconnaît le moment du Maghrib? Donc premièrement, ou bien à la vision directement, si on voit que le soleil s'est complètement couché derrière l'horizon, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la nuit arrive par ici, c'est-à-dire par l'est, et que le jour s'en va par là, c'est-à-dire par l'ouest, alors le jeûneur a rompu son jeûne. Les savants ont divergé sur comment expliquer ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûneur a rompu son jeûne, c'est-à-dire que c'est fini, dès que le Maghreb il est rentré, ça y est, son jeûne est rompu. Qu'il ait mis l'intention ou non, ou bien ce hadith veut dire que le moment de la rupture du jeûne est arrivé. Et le plus juste, wa l'ilmu indallah, comme on va le voir plus tard, c'est que le moment de la rupture du jeûne est arrivé. Pourquoi on dit cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de faire l'wissal. On va voir quand dans hukm al-wissal, le fait de lier deux jours de jeûne. Il l'a autorisé jusqu'au sahur, jusqu'au matin, jusqu'à la fin de la nuit. Donc ce qui prouve que avec l'entrée de l'heure du Maghreb, la rupture ne s'est pas automatiquement faite. Sinon, il n'y aurait aucun sens à faire l'wissal jusqu'au sahur, ou bien jusqu'à sahar. Donc, au moment où le soleil s'est couché, ou bien par l'information d'une personne digne de confiance, ou bien la forte probabilité que le soleil se soit couché. On ne demande pas la certitude. Dans les informations, il y a différents types d'informations. Ils ont plusieurs degrés. Il y a le wahm, c'est l'illusion, ou bien la, comment on dit le wahm, l'imagination. Celle-là, on n'en prend pas compte. Après, au-dessus de cela, il y a le shak, le doute, 50-50. Celle-là aussi, on n'en prend pas compte. Après, au-dessus du doute, il y a ghalib adh-dhann. C'est ce que ici on dit la forte probabilité. Ce qui dépasse 50%. À 55%, 60%, 70%, on pense que le soleil s'est couché, par exemple. Ceci est valable. Et il y a l'yaqin, la certitude, 100%. Wadih. Donc il suffit de ghalib adh-dhann. La forte probabilité est suffisante pour pouvoir dire que l'heure de la salat est entrée. Ça c'est valable pour toutes les horaires de salat. On ne demande pas la certitude, mais ghalib adh-dhann, la forte probabilité. Wadih. Et la certitude c'est encore mieux. C'est pour cela d'ailleurs que Ibn Ummi Maktoum, qui était aveugle, était le mu'adhdhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant elle était aveugle. C'était le deuxième mu'adhdhin. Il attendait que les gens lui donnent l'information que l'heure de l'fajr est entrée pour faire l'adhan. Donc on voit bien qu'il se basait sur l'information de quelqu'un et qu'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. Par contre, le shak, le doute, non. Quand on dira le bavan, il est suffisant. La forte probabilité. Il y a un hadith où, au temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il y a eu des nuages très épais. Un petit peu avant le coucher du soleil, c'est-à-dire après l'asr. Tout le monde a cru que le soleil s'était couché, ils ont rompu leur jeûne. Puis après, les nuages se sont dissipés. Et ils ont vu que le soleil n'était pas couché. Ils ont continué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de rattraper ce jour-là. Les savants ont divergé, est-ce que dans ce cas-là, quelqu'un doit rattraper ou non? Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah a dit, ils n'ont rien à faire. Bien qu'à la base, normalement, que la journée est présente jusqu'à preuve du contraire. Mais là, ils ont eu ghalib adh-dhann. Ils ne se sont pas basés sur le doute. Ils ont eu une forte probabilité. Donc, ils ont fait ce qui leur a été obligatoire. Ils ont fortement cru que le Maghreb était couché. C'est pas par doute qu'ils ont rompu. C'est par ghalib adh-dhann. Donc, ils sont excusés. Il n'y a rien en cela. Ils n'ont pas à rattraper. À la qawl Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, chez d'autres savants, ils disent non. On reste sur la règle de base. La base, c'est que la chose reste telle qu'elle est jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils auront à rattraper ce jour-là. On retire aussi de ce hadith que le fait de hâter la rupture du jeûne est une preuve de la persistance dans le bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâteront, tant qu'ils se dépêcheront à rompre le jeûne. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir donc dans le hadith qui est dans le chapitre prochain ou dans le sous-chapitre prochain, qu'il s'empressait de rompre le jeûne avant de prier, sallallahu alayhi wa sallam. De rompre le jeûne avec des dates fraîches. S'il ne trouvait pas de dates fraîches, des dates sèches. S'il ne trouvait pas de dates sèches, il buvait quelques gorgées d'eau. Alayhi salatu wassalam. Il y a un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: la religion ne cessera d'être apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne. Car les juifs et les chrétiens la retardent jusqu'à l'apparition des étoiles. Et aussi les Rafida. Ils ont la même religion que les juifs et les chrétiens en cela. Ils rompent le jeûne à l'apparition des étoiles et non pas au coucher du soleil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans de se différencier des gens du livre et de ne pas leur ressembler dans leur adoration, qui ont eu, comme vous savez, toutes les communautés, deux voies pour s'égarer. Et Shaitan, il s'importe peu qu'il t'égare par la première ou par la deuxième voie. À partir du moment où il t'a égaré, que ce soit par l'exagération ou que ce soit par la négligence, peu importe. Et toujours, il va te tirer d'un côté ou de l'autre. Et il va te sortir de la voie du juste milieu. Et on va voir quel est le sens de la voie du juste milieu. Comme le frère, Inch'Allah, le frère Abu Asim va parler de cela dans son discours. On va voir que veut dire le juste milieu en islam. Donc, exagérer jusqu'au moment où la première étoile apparaît dans la nuit, ceci est une ressemblance aux gens du livre et ceci est une chose réprouvée en islam. Alors, on revient sur notre règle. Manger, boire ou faire tout acte qui habituellement annulerait le jeûne, lorsqu'on a un doute de l'apparition de l'aube, est permis. En se basant sur cette règle, que la base et que la chose reste comme telle, comme elle est, jusqu'à preuve du contraire. Donc, le doute ne suffit pas. S'il a un doute, est-ce que l'aube a apparu ou non, il peut continuer à manger et à boire. Quand est-ce qu'il arrêtera de manger et de boire? Quand il sera à forte probabilité que le Fajr est apparu. Que ce soit par forte probabilité de sa propre vision, ou bien par forte probabilité par l'information de quelqu'un de thiqa, par l'information de quelqu'un de confiance. À partir de là, il lui sera obligatoire d'arrêter de manger et de boire et de faire tous les actes qui peuvent mener à la rupture du jeûne. Par contre, dans le sens contraire, il n'est pas permis de rompre le jeûne si on a un doute, est-ce que le soleil s'est couché ou non? On a un doute. Là, il sera interdit de rompre le jeûne et on devra attendre d'avoir une information certaine ou bien une forte probabilité. Donc, ceci est fondé sur la règle qu'on a citée à maintes reprises et que vous entendrez beaucoup dans le fiqh. Al-aslu baqa'u shay'a 'ala ma kan hatta yatabayyana khilafuhu. Le principe de base est que toute chose reste telle qu'elle jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, pour le repas de fin de nuit, suhur, le principe de base est que la nuit perdure. Alors que pour la rupture du jeûne, al-fitr, le principe de base est que la journée perdure. Concernant le repas de fin de nuit, l'imam Ahmad ibn Hanbal ajoute, d'après Abi Saïd, ne le délaissez donc pas, même ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau, car Allah et ses anges prient pour ceux qui prennent le repas de fin de nuit. As-sahur. Ce hadith, il est sahih, il a été authentifié par l'imam Al-Albani dans Sahih al-Targhib. Tayyib. Al-Sahur, quel est son statut? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est recommandé? Chez la grande majorité des savants, il est recommandé. Certains savants ont jugé son obligation formelle, mais
Allahu a'lam, cette parole n'est pas la plus juste. Car, comme on va le voir dans le hadith du Wissal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 2-3 jours d'affilée avec ses compagnons. Si le sahur aurait été obligatoire, il n'aurait pas laissé ses compagnons désobéir à cet ordre divin. Donc, cela prouve que c'est une recommandation et non pas une obligation formelle. Il faut savoir que certains savants, quand ils disent qu'il n'y a pas de divergence, c'est selon leur connaissance. Et ça arrive beaucoup. C'est pour ça que les savants ne prennent pas toute personne qui dit il y a ijma, il y a consensus, il n'y a pas divergence. Le fait de rapporter l'ijma selon le savant qui le rapporte, ce ijma a une force ou a une faiblesse. Car il y a des savants qu'en général, quand ils rapportent l'ijma, c'est rare qu'ils se trompent. Et d'autres savants, quand ils rapportent l'ijma, souvent il y a des paroles contradictoires, mais lui, il a rapporté ce qu'il connaissait. Et puis, quoi qu'il en soit, les savants ne sont pas infaillibles. Il peut y avoir des savants qui disent « il y a ijma » sur une question, et on trouve certains parmi les salafs qui ont contredit cette parole. Donc, on voit qu'il n'y a pas ijma. À partir de ce moment-là, on a prouvé qu'il n'y a pas ijma. Donc, quoi qu'il en soit, c'est clair que il y a quelques paroles, mais elles sont minoritaires, ceux qui disent que c'est obligatoire. La grande majorité, et peut-être même le ijma, il faut vérifier, disent que c'est recommandé et non pas obligatoire. Mais les preuves poussant et appuyant le fait que ce soit recommandé sont plus solides, quoi qu'il en soit. Donc, on a parlé du fait, est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? Ceux qui ont dit que c'était obligatoire, moi, à mon souvenir, je connais des contemporains qui l'ont nommé, mais pas des anciens. Donc, c'est possible qu'ils aient contredit l'ijma'ar, il faudrait voir cela. Aussi, on voit dans le hadith qu'il y a une baraka dans le repas de fin de nuit. La baraka est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une baraka. Parmi les choses visibles et apparentes de cette baraka, c'est que ça te renforce pour le jeûne. C'est que la personne, en prenant un repas de fin de nuit et qu'il le retarde, il a plus de force dans la journée pour jeûner et continuer ses activités. Ce n'est pas comme celui qui a mangé au début de la nuit et puis qui jeûne le lendemain. Imaginez-vous avec les journées d'été qu'on a ici maintenant. Une personne qui n'a mangé qu'au Maghreb, et après, jusqu'au lendemain du Maghreb, il n'a rien mangé, rien bu. Automatiquement, dans la journée, il va être faible. Donc c'est une baraka, c'est une bénédiction d'Allah. C'est une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un encouragement, et pas seulement une facilité. La personne est récompensée. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient pour cette personne. C'est-à-dire Allah le loue auprès de ses anges rapprochés. Et les anges, ils invoquent Allah pour lui. Car la salat d'Allah pour une personne, c'est le fait qu'il le loue et qu'il parle de lui en bien auprès des anges rapprochés. Et la salat des créatures pour une personne, que ce soit un ange ou un prophète ou un homme, c'est d'invoquer Allah en bien pour cette personne. Non. Le fait de prendre le repas de fin de nuit, c'est aussi une différenciation des gens du livre. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre est le repas de fin de nuit. Donc en fait c'est sur des hadiths comme ça que certains ont considéré l'obligation. On voit que c'est fortement recommandé. Car se différencier des gens du livre à la base c'est obligatoire. Sur toute chose. Sauf sur certains points où ça devrait être recommandé. Ou dans certains points où il n'y a pas de mal, on peut leur ressembler si ce ne sont pas des choses spécifiques à eux. Concernant As-Sahur, la sunna c'est de le retarder au maximum. D'ailleurs, il a été ramené de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mangeait et buvait et que entre le moment où il finissait de manger et de boire et qamat as-salah, il y avait le temps de lire 50 versets. Pas entre le moment où il finissait de manger et l'adhan, entre le moment où il finissait de manger et la salat. Le temps de lire 50 versets. Un quart d'heure. Donc imaginez-vous alors, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mangeait et buvait jusqu'au dernier moment. Et c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. La preuve de cela, c'est un hadith qui appuie encore plus fortement cela. Où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, si l'un de vous entend l'adhan, l'appel à la prière,
de l'Fajr, pas ce qui est connu de l'appel dans la nuit. Car en fait, à la base, il y a deux adhan et un iqama al-Fajr. Un adhan dans le dernier sixième de la nuit, qui est fait pour réveiller ceux qui dorment, pour se préparer, pour prier la nuit, ou bien pour informer ceux qui prient que le Fajr est proche, alors qu'il faut qu'ils fassent le witr, informer ceux qui jeûnent que c'est le moment de manger, ça y est, le Fajr va s'approcher. Ça, c'est le premier adhan de la nuit. Ce premier adhan, il n'interdit pas le manger, la boisson et tout ce qui est interdit au moment du jeûne. Car le Fajr al-Sadiq n'est pas encore entré. C'est ça, ça, celui-là, il est considéré, c'est un adhan fait dans la nuit, dans le dernier sixième de la nuit. Et le deuxième adhan de la nuit, qui est le adhan du Fajr al-Sadiq, quand le Fajr véridique est entré, l'heure du Fajr est entrée. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous entend l'appel de la prière de l'aube, de l'Fajr al-Sadiq, alors que le récipient est dans sa main, qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il en aura pris ce dont il a besoin. C'est-à-dire, quelqu'un a un verre d'eau dans la main, il entend l'adhan, il finit son verre d'eau, il le pose. Est-ce que ceci est valable aussi pour la nourriture? Certains savants disent que c'est ça, ceci est spécifique pour la boisson. Car la boisson est quelque chose qui s'avale rapidement. Et que cela ne concerne pas la nourriture. Et le hadith parle de la boisson, d'un verre d'eau, d'un récipient de liquide. Cheikh Al-Albani, lui, dit la cause et la raison de cette autorisation est compréhensible. Elle est citée dans le hadith. C'est qu'il a besoin et qu'il a envie de finir ce qu'il a dans la main. Il a dit, et ceci, cette cause-là est présente que dans la nourriture comme dans la boisson. Donc pourquoi ceci serait interdit pour la nourriture alors que la cause est commune? Donc lui, il voit que cette permission est valable autant pour la boisson que pour la nourriture, alors que d'autres savants spécifient cette permission uniquement pour la boisson. Non. On parle maintenant de la rupture du jeûne. Avec quoi se fait cette rupture et de quelle manière se fait cette rupture du jeûne? Ici, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, a rapporté un hadith de Salman Ibn Amir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rompez le jeûne avec des dattes et si vous n'en trouvez pas, alors avec de l'eau, car elle purifie. Ce hadith, certains savants l'ont considéré comme authentique et certains savants considèrent que ce hadith est faible en tant que parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rompez le jeûne avec des dattes et si vous n'en trouvez pas alors avec de l'eau car elle purifie », ils disent ceci n'est pas est une parole faible, enfin l'authenticité de ce hadith est faible, mais elle a été authentifiée parmi ses actes. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait avec des dattes et s'il n'en trouvait pas, il rompait avec de l'eau. Certains donc ont considéré que ce hadith peut être renforcé par d'autres hadiths sahih, comme celui qu'on va citer, qui est dans At-Tirmidhi juste après, qui est sahih, et celui aussi qu'on a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de cette manière, qu'il rompait avec des dattes et s'il n'en trouvait pas, il rompait avec de l'eau. Donc on peut considérer qu'il est acceptable ce hadith et non da'if, et d'autres ont considéré qu'il est da'if, qu'il est faible. Ce n'est pas une parole qui est authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela a été authentifié qu'il l'a fait, qu'il l'a pratiqué. Par contre, le hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, c'est le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant d'accomplir la prière, avec des dattes fraîches. S'il n'en trouvait pas, avec des dattes sèches. Et s'il n'en trouvait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Donc quand l'imam Al-Albani, rahimahullah, dit c'est authentique parmi ses œuvres, ses actes, sûrement il pense à ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. La différence entre rutab, les dattes fraîches et les dattes sèches, ici en France, je ne sais pas si les gens y reconnaissent. En résumé, les dattes fraîches, c'est celles qui se gardent au réfrigérateur. Elles se gardent pas dehors, sinon elles pourrissent.
Et les dates sèches, c'est celles qu'on peut garder dehors comme ça. Vous verrez, ceux qui connaissent les dates, hein, ils connaissent bien la différence entre rotab et tamr. Respecter l'ordre dans ces trois choses pour rompre le jeûne, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas une obligation. Celui qui ne trouve rien de cela, il rompra avec du pain, ou avec une sucrerie, ou avec du lait. Tout cela c'est permis. Il rompra avec tout ce qu'il trouve de halal. S'il ne trouve rien à manger, il rompt avec l'intention. Il met l'intention ferme de rompre le jeûne. S'il ne trouve vraiment rien à manger, non, ni à boire. Chapitre ou sous-chapitre du jeûne continu. Que veut dire le jeûne continu ? C'est le fait de jeûner 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, 4 jours d'affilée, 5 jours d'affilée, plusieurs jours d'affilée. Donc ce hadith rapporté par l'imam le sahabi Jalil et l'imam dans le hadith Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit le jeûne continu. Bon, ici, ils l'ont traduit directement par interdit. En arabe, naha rasulullah. Wa nahyu, en arabe, nahyu, ça peut être l'interdiction comme la réprobation ou le fait que ce soit déconseillé. Donc ici, ils l'ont traduit interdit, mais on va voir, est-ce que c'est interdit ou réprouvé? On va le voir. Et en réalité, on va dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le jeûne continu. Comme on va le prouver, inshallah. Un homme parmi les musulmans dit, mais toi, ô messager d'Allah, tu pratiques le jeûne continu. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi vous m'est semblable? Durant la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Voyant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant qu'il ne respectait pas l'interdiction ou bien la réprobation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûna avec eux sans rompre un jour, puis un autre jour. Puis ils observèrent le nouveau croissant de lune et il leur dit, si le nouveau croissant avait tardé, je vous aurais ajouté d'autres jours pour les appeler à cesser le jeûne continu. Donc ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc le jeûne continu, on a expliqué ce qu'il était. C'est le fait de jeûner 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, 4 jours, etc. Quel est son statut en islam, le jeûne continu? On va en parler, Inch'Allah. Première chose, on voit dans ce hadith que la législation islamique, elle est tolérante et elle est aisée. Et elle ne comporte ni surcharge, ni difficulté. Et celui qui a légiféré déteste l'exagération dans l'ajout à ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, en raison de ce que cela comporte comme souffrance. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Et il n'a pas imposé aux gens de se faire souffrir d'un degré ou bien d'une façon supérieure ou bien qui dépasse ce qui est acceptable. Bien sûr, dans les ordres religieux, il y a une certaine mashaqqa, il y a une certaine difficulté. Rien que d'enlever la main, il y a une difficulté. Il y a un effort, n'est-ce pas? Mais en islam, tout ce qui est ordonné reste dans la limite de la difficulté supportable, en général, par tout être humain. Et jamais, subhanahu wa ta'ala, n'a rendu obligatoire quelque chose qui dépasse la limite de la difficulté supportable généralement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Il peut y avoir des hommes exceptés, comme quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre debout. Il lui est permis de s'asseoir, dans salat par exemple. Ou il a une maladie, ou il a une difficulté, ou il a une faiblesse. Ce sont des exceptions. Mais la règle générale, c'est que tout ordre religieux est dans la capacité de l'être humain. Donc ceux qui disent, Allah ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de faire, et il ne fait pas salat. Il dit, j'arrive pas. Et il te ramène des dalils du Coran. Allah ne charge pas une âme de ce qu'elle est au-dessus de ce qu'elle est capable de faire.
Craignez Allah tant que vous pouvez, selon votre capacité. Il a compris à l'envers. Fattakullah mastata'tum. Ce verset, il encourage à faire le maximum. Craignez Allah au maximum de ce que vous pouvez faire. Lui, il a compris au contraire, au minimum. Craignez Allah au minimum de ce que vous pouvez faire, pas au maximum. C'est une mauvaise compréhension. Car tout ordre, comme l'a établi, comme c'est établi dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a expliqué clairement l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah, tout ordre religieux ne comporte qu'une maslaha, qu'un intérêt, que ce soit un intérêt absolu ou bien un intérêt prépondérant. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun ordre en islam où l'intérêt n'est pas prépondérant. Il n'y a plus de méfaits que d'intérêts dedans. Jamais. L'intérêt, dans tout ordre religieux, l'intérêt est plus grand. Et dans toute interdiction religieuse, c'est que le méfait est plus grand que l'intérêt. Toujours. Celui qui n'a pas compris, c'est à cause de son manque dans sa raison ou dans sa confiance en Allah ou dans les deux. Car en vérité, une raison saine ne peut pas contredire les textes. Il n'y a qu'une raison corrompue qui contredit les textes religieux. On voit aussi, barakallahu fikum, la facilité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que ce soit facilité, c'est plus à même que la personne elle soit constante et elle perdure dans l'adoration d'Allah. Et les œuvres les plus aimées d'Allah, comme a dit Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il aimait le plus faire, c'est les œuvres constantes, même si elles étaient peu. Et les œuvres les plus aimées d'Allah sont les œuvres constantes, même si elles sont peu. Et puis, subhanallah, Allah ta'ala, il a fait que l'être humain, il a plusieurs droits et devoirs. Il a des devoirs et des droits, il a des devoirs vis-à-vis de son Seigneur. Il a des devoirs vis-à-vis de lui-même et des droits. Il a des droits à donner à ses proches. Il a des devoirs dans le travail, dans la famille, dans les voisins, avec ses frères musulmans. C'est-à-dire, subhanallah, si c'était une religion comme par exemple les bouddhistes, qui se coupent de tout, ou les moines, qui s'interdisent, qui se sont interdits des choses qu'Allah ne leur a pas interdites. Alors cette personne, elle ne sera pas équilibrée. Et on voit que l'islam est une religion équilibrée et du juste milieu. Chacun a sa part de droit. Comme dans le hadith de Salman, avec Abid Darda. Donc, c'est ça l'équilibre de l'islam. Ni on est comme ceux qui exagèrent et qui se coupent complètement de ce bas monde, ni on est comme ceux qui courent que derrière ce bas monde. On déteste ce bas monde, mais on l'utilise pour l'au-delà. On l'a dans la main, non dans le cœur. Et on va dans ce bas monde pour obéir à Allah, pour accomplir l'ordre d'Allah, pour donner les droits, pour faire les devoirs, non pas par amour pour ce bas monde. Wallahi, les musulmans, si vraiment ils préféreraient tout laisser tout ça à partir loin. Il n'aime pas un musulman qui a un cœur apaisé. Il n'aime pas ce bas monde. Il prend du plaisir dans l'adoration d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme, la personne qui yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khayrun min al muslimin alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Le musulman qui se mélange aux gens et qui patiente sur leurs méfaits est meilleur et plus aimé chez Allah que le musulman qui ne se mélange pas aux gens et qui patiente pas sur leurs méfaits. Donc le musulman, il vit dans la société, il patiente sur les méfaits des gens, il fait la da'wah, il patiente, il accomplit l'ordre d'Allah, même si les gens transgressent l'ordre d'Allah. Et c'est comme ça qu'il est un exemple. Non. On voit aussi dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a soit interdit ou réprouvé de pratiquer un jeûne continu al-wisal sur 2 jours. Et on va voir que la parole la plus juste, c'est que c'est réprouvé et non pas interdit. Quelle est la preuve que c'est juste réprouvé et non pas interdit? Premièrement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-wisal avec ses compagnons qui ne voulaient pas le suivre sur cela,
deux jours et trois jours. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les pousser à faire un interdit? Jamais. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va autoriser de voir l'interdit devant lui, ou bien carrément c'est lui qui les pousse à faire l'interdit. Non. Par contre, certains savants ont dit, il l'a fait pour leur montrer. C'est comme une éducation qu'il leur a donnée. Mais le sahih, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas appeler à l'interdit. Donc il a appelé à une chose qui est contraire à ce qui est préférable pour leur montrer. Il n'a pas appelé à cela, il a voulu les éduquer, mais en fait c'est makruh, c'est détestable. Il a été prouvé de manière authentique que Abdullah ibn Zubayr a fait le wissal 15 jours d'affilée. Et d'autres parmi les sahaba. Donc les sahaba n'ont pas compris l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une interdiction formelle, mais comme cela a été rapporté dans d'autres hadiths sahiha, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprouvé par miséricorde pour les gens et pour éviter de les surcharger. Et pour que les faibles parmi les musulmans ne le fassent pas. Donc certains comme Abdullah ibn Zubayr et d'autres sahaba ont compris que pour les gens qui sont capables et qui ont la force, ils peuvent essayer de le faire. Et ils l'ont fait pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Wadih. Donc, certains savants ont dit « Al-wissal est détestable pour les personnes faibles et elle est autorisée pour la personne capable. » Voilà comment ils ont résumé. En réunissant entre tous les textes, et les hadiths et la compréhension des sahabas de ces hadiths. Non. D'ailleurs, il est venu dans des hadiths sahiha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé de faire le wissal. Il a dit, si vraiment vous voulez faire le wissal, alors jusqu'au sahur. Au maximum, jusqu'au sahur. C'est-à-dire que la personne, elle ne rompt pas le jeûne au Maghrib, mais elle continue jusqu'au sahur et il prend le sahur. Il a dit, si vraiment vous voulez le faire. Voilà qu'il y a un khilaf, hada jaiz, c'est permis. Mais ce n'est pas ce qui est le mieux. Le mieux, c'est de rompre au Maghrib. Comme on a vu les hadiths précédents. Walhamdulillah. Comme quoi, subhanallah, certains vont te dire, ou certains vont pencher toujours vers ce qui est le plus dur. Et ils disent, le mieux, c'est ce qui est le plus dur. N'est-ce pas? D'autres vont pencher vers ce qui est le plus facile. Le mieux, c'est ce qui est le plus facile. Ces deux groupes ont tort. Le mieux en islam n'est ni ce qui est le plus dur, ni ce qui est le plus facile. Le mieux en islam est l'attachement à la sunna. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé et a demandé de patienter et que l'œuvre, pour la pratiquer, il y a une certaine difficulté, alors le mieux ici, c'est la difficulté. Et là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé et a demandé de prendre la facilité, alors le mieux ici, c'est la facilité. Donc, Inch'Allah, nous les gens de la sunna, ni on penche vers la dureté, ni on penche vers la facilité, mais on penche vers ce qui est le plus proche de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand celle-ci va vers la facilité, alhamdulillah, on prend la facilité. Quand celle-ci pousse à patienter et à prendre une chose avec un peu de difficulté, alors on patiente et on supporte les difficultés. Et ceux qui utilisent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais le choix entre deux choses sans qu'il prenne la plus facile tant que ce n'était pas un péché, ils utilisent ce hadith pour dire il est permis de choisir entre l'avis des savants ce qui est le plus facile. Cela en réalité on contredit le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des sahaba. Car faire cette chose-là, ça s'appelle tatabba' rukhas al-ulama. تَتَبْعُ رُخَصِ الْعُلَمَاءِ suivre les facilités des savants. Et ceci revient à suivre le hawa, les passions. Et Allah nous a interdit dans le Coran de suivre le hawa. Il a même mis en garde Daoud alayhi salam de suivre le hawa. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions en divinité? وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ Et Allah l'a égaré tout en sachant, c'est-à-dire avec science, car celui qui suit ses passions, même s'il sait, il n'écoute pas, il suit ses passions. Donc,
La réponse à ce hadith, qui est sahih, cela concerne les questions mubah, dans le mubah, dans le halal. Tu as le choix, par exemple, de passer par un chemin plus long ou un chemin plus court. Tu as le choix de mettre en été un vêtement léger, qui suit les règles de la charia, ou un vêtement qui va te faire suer. Tu as le choix entre manger quelque chose de halal qui a un bon goût, et quelque chose de halal qui a un mauvais goût. Donc, ce hadith, il s'applique dans les choses sur lesquelles Allah t'a donné le choix, dans le mubah, dans le licite. Et non pas dans les choses dans lesquelles Allah ne t'a pas donné le choix, comme dans les ordres, comme dans la sunna, comme dans la bid'a, comme dans le haram. Il ne t'est pas permis de suivre les permissions des savants, mais tu dois prendre ce qui est le plus proche de la vérité, obligatoirement. D'ailleurs, l'imam al-Zahabi, rahimahullah, et l'imam ibn Hazm a rapporté dans Maratib al-Ijma' que les savants sont unanime pour dire que celui qui suit les facilités de tous les savants, c'est un zindiqun fasiq, c'est un hérétique pervers. Ibn Abdul Barr, rahimahullah, en répondant à cet égarement, a dit parmi les arguments, donc il a rapporté l'ijma' lui aussi, puis il a dit parmi les arguments, car celui qui a autorisé telle chose, il a interdit tout le reste. L'autre savant qui avait autorisé une autre chose, il a interdit tout le reste. Par exemple, les savants de Koufa avant, ils étaient connus pour autoriser un nabid, la bière. S'il en boit une quantité qui ne rend pas saoul. Tout ce qui n'est pas fait avec le raisin. Tous les alcools faits avec autre que le raisin, ils disent, si quelqu'un il en boit juste une ou deux gorgées, c'est pas haram. Taïeb. Si quelqu'un suit cet avis-là, ils se sont trompés sur ça. Les savants, ils ont répondu sur ça. Ils se sont trompés, ils avaient des arguments, mais qui étaient faibles. Ils ont mal compris certains textes. D'autres, ils rapportent que certains, par exemple, ont permis la musique. D'autres rapporte qu'Abdullah ibn Abbas, il a permis Zawaj al-Mut'a. Par exemple. Si tu réunis tout ça, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abdul Barr? Il a dit, tu as réuni en toi tout le mal. Et tu as pratiqué une religion autre que l'islam. Si quelqu'un s'amuse à prendre les fatwas facilités de chaque savant, qu'est-ce qui va se passer? Zawaj al-Mut'a, il boit de la bière, il fait de la musique. Qu'est-ce qui reste de l'islam si cette personne, Allah ybarik fik? Qu'est-ce qui reste de l'islam? Et aujourd'hui, on a des courants qui appellent à pratiquer la religion de cette manière-là. Que ce soit l'Ahbash ou l'Ikhwan al-Muslimin, ou bien les soi-disant réformateurs ou les destructeurs de l'islam. Et ils nous traitent, nous, d'arriérés et de gens des campagnes qui comprennent rien, on est des idiots, on comprend pas la modernité, on n'est pas contemporain. Hakada. Pour eux, être contemporain, c'est s'adapter, c'est l'islam qui doit s'adapter, hein, à la société, qu'elle soit corrompue ou non, peu importe, la société elle est corrompue ou non, l'islam il doit s'adapter. Alors que nous on dit que l'islam il est fait pour toutes les sociétés et toutes les époques et tous les lieux jusqu'à la fin des temps. Et que les choses sur lesquelles l'islam a donné le choix, on s'adapte. Il t'a donné le choix à manger de telle manière ou telle manière, tu t'adaptes, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a interdit de mettre un vêtement d'apparat. Par exemple, tu es dans une société musulmane, tout le monde parmi les musulmans dans cette société s'habille d'une manière. Une manière légiférée, bien sûr. Si c'est pas légiféré, comme il a dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a dit le vêtement qui est pris en référence, c'est le vêtement qui est porté par une société qui est sur la sunna. Écoutez bien. On dit pas, oui, il a contredit les musulmans de son pays, alors que la société, elle est pas sur la sunna. Ils mettent tous des jeans serrés. Ça, t'as pas, alors il faut obliger, tu portes un jean serré comme eux. Non.
Le vêtement de référence, c'est le vêtement porté par les gens de la sunna. Il a dit comme ça. Si une société, elle est sur la sunna, c'est ça le vêtement de référence. Donc, par exemple, dans certains pays, ils mettent pas ça là, le mashlah, le chimar. Toi, tu vas pas venir dans ce pays, tu mets un chimar. Tu te différencies de tous les musulmans de ce pays. Dans d'autres pays, ils mettent, au Soudan, par exemple, ils mettent tous un turban. Toi, tu viens pas dans ce pays-là, tu mets autre chose qu'un turban. Tu mets un turban comme eux. Regardez. Donc, dans ce genre de choses, oui, tu t'adaptes à la société. Même les qamis. Selon le pays, les qamis, ils sont de manière différente. T'as les qamis indo-pakistanais, t'as les qamis soudanais, t'as les qamis saoudiens, t'as plusieurs sortes de qamis, n'est-ce pas? Donc, tu vas pas aller, par exemple, un pakistanais qui habite au Pakistan, tout le monde s'habille d'une manière, lui, il vient et s'habille comme un soudanais. Là, il aura contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il aura mis un libas shuhra, un vêtement d'apparat pour se différencier des autres. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a, alhamdoulilah, un choix, une largesse, un moyen de s'adapter. Pareil, les musulmans en France, par exemple, ils vont s'habiller d'une manière qui est acceptable en islam ou d'un habit islamique. Mais il n'est pas dans un pays, par exemple, où les gens ils se baladent en tongs ou en isar, ou en t-shirt serré et puis un vêtement comme ça en dessous. Non, il va mettre quelque chose qui représente le musulman proprement, un kamis propre, bien repassé, pas des couleurs dépareillées, le mohim. Quelque chose qui ressemble à ce qui peut être acceptable dans les mœurs ici, mais selon l'islam. Selon l'islam, quelque chose qui cache la nudité, quelque chose qui, alhamdoulilah, on se différencie des koufars, on met un vêtement pour se différencier des koufars, c'est recommandé. Même si c'est pas obligatoire, par exemple, de porter le kamis, c'est recommandé. Car on se différencie en cela des koufars. Wadih. Hakada. Donc, tout ça pour dire, on a fait une parenthèse, c'était pour parler du fait de sur quoi on a le choix. Est-ce que le choix, il se porte sur choisir entre les avis des savants ce qui nous convient, ou bien le choix, il est seulement dans les mubahat, dans les choses licites sur lesquelles Allah nous a donné le choix. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne, « Ilbis ma shi'ta, wa kul ma shi'ta. » Mange ce que tu veux et habille-toi ce que tu veux tant qu'il n'y a pas de gaspillage et ni de ni un vêtement d'apparat ou ni d'orgueil dans cela. Donc pour montrer que ça, l'asl fihi al-ibaha, t'es libre tant que tu respectes les règles religieuses. Non. Donc voilà. Il est permis pour celui qui en est capable de poursuivre le jeûne jusqu'en fin de nuit, mais il est préférable de le délaisser, cela en raison du fait que l'on manque le mérite de dater la rupture du jeûne au coucher du soleil. Donc on manque cette fadila. De même que les savants ont dit que si le wissal il était recommandé, le wissal, le fait de jeûner plusieurs jours d'affilée. Au bout d'un moment, quelqu'un il est habitué, siyam ad-dahr, il jeûne tous les jours. Il ne sent plus la différence entre un jour où il jeûne ou il ne jeûne pas. Donc il n'y a plus ce sacrifice. Il n'y a plus cette privation. Pour lui, c'est son état normal. Donc l'intérêt aussi, il ne comporte pas autant d'intérêt que celui qui, comme il a été rapporté des sahaba, on trouvait, quand on voulait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de jeûne, on le trouvait en état de jeûne. Et quand on voulait le trouver en alors qu'il n'était pas en état de jeûne, il n'était pas en état de jeûne. Et tu pouvais le trouver en train de jeûner plusieurs jours, comme tu pouvais le trouver en train de manger plusieurs jours, sallallahu alayhi wa sallam. Wa khairul hadi, hadi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure guidée, le meilleur chemin, le meilleur exemple, c'est l'exemple du prophète Muhammad, alayhi salat wa sallam. Donc on dira que le jeûne continue, il est recommandé et bien spécifiquement pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est réprouvé pour autre que lui. Il est réprouvé pour autre que lui. Ou bien c'est contradictoire à ce qui est mieux, même pour celui qui en est capable. Le mieux, c'est de jeûner un jour. Ou le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud, comme on va le voir. Jeûner un jour, rompre un jour, jeûner un jour. Ça, c'est le meilleur jeûne. Donc voilà le meilleur. Il n'y a pas meilleur que cela. Le meilleur jeûne surérogatoire, c'est le jeûne de Daoud, alayhi salam. Il faut savoir aussi que l'on comprend dans ce hadith et d'autres hadiths que tout ce qui est imposé au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
est aussi imposé et ordonné à l'ensemble de sa communauté jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait une preuve que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas se permettre de dire qu'une œuvre ou un acte ou une parole est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il n'y a pas une preuve évidente sur cela. À la base, tout ce qui est imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tout ce qu'il ordonne, ou tout ce qu'il fait, à la base, ce qui est légiféré, c'est de le suivre en cela. Ne serait-ce que d'une manière recommandée au minimum, même si ce n'est pas d'une manière obligatoire. Sauf s'il y a une preuve que cet acte est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Comme par exemple, le fait de se marier avec plus de 4 femmes. Allah Ta'ala l'a clairement stipulé que c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a interdit aux autres de la communauté. Non. Oui, plus de 4 femmes en même temps. Il faut bien spécifier en même temps. Car quelqu'un, au long de sa vie, il a pu se marier avec plus de 4 femmes sans qu'elles soient en même temps. Pour finir l'explication de ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mais qui parmi vous m'est semblable ?» Durant la nuit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et qui parmi vous m'est semblable ?» Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de nature humaine. Attention. Tous les versets et les hadiths prouvent que c'est un homme et d'une nature humaine comme tous les hommes. Comme Allah Ta'ala l'a précisé dans le Coran et qu'il a précisé qu'il va mourir comme ceux qui sont avant lui sont morts. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit dans le hadith sahih. Il a dit « Je ne suis qu'un homme comme vous. Et je peux me tromper dans mes appréciations. Par contre, si je vous donne un ordre dans votre religion, prenez-le. » Ce hadith ne prouve pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas d'une nature humaine. Comme certains mushrikin qui s'affilient à l'islam disent. Ou bien qui disent que c'est une part de d'Allah. Où ils ont dit comme Issa. Comme ce qu'ils disent les chrétiens sur Issa, pareil. Tu trouves des gens aujourd'hui qui s'affilient à l'islam, qui disent la même chose de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cette secte au Pakistan, là, les Brelouis, qui disent que c'est une lumière de la lumière d'Allah. Elle fait partie de la lumière d'Allah. C'est-à-dire que, pour eux, c'est comme une part d'Allah. Hacha. Donc, le fait qu'il dit il n'est pas semblable, c'est-à-dire il n'est pas semblable à eux en tout point. En ce sens-là, et non pas qu'il n'est pas semblable de fait qu'il n'est pas un être humain comme nous ou comme les sahabes. Et il a expliqué la preuve, c'est qu'il a expliqué la différence, elle est où. Donc, il a montré en quel point il n'est pas semblable à eux, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mon Seigneur me nourrit et m'abreuve dans la nuit. Voilà la différence. Elle est là. Elle n'est pas dans autre chose. Donc les soufis qui vous ramènent, oui, le prophète a dit il n'est pas semblable, regarde, c'est pas un homme comme nous. Tu lui dis, dans le hadith lui-même, il t'explique pourquoi il n'est pas semblable. Car Allah le nourrit et l'abreuve dans la nuit. Non pas parce que ce n'est pas un homme. Et d'ailleurs, au contraire, ce hadith prouve que c'est un homme. Car Allah le nourrit et l'abreuve. Subhanahu wa ta'ala. Non. En ce qui concerne le fait qu'Allah le nourrit et l'abreuve dans la nuit. Les savants ont divergé. Que veut dire il le nourrit et l'abreuve? Est-ce qu'il lui donne une vraie nourriture et une vraie boisson? Ou est-ce que c'est, ici, ce qui est voulu, c'est une nourriture spirituelle et non pas une nourriture matérielle? Dans le sens qu'il trouve de la force dans sa solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans son adoration d'Allah, dans son qiyam, dans sa lecture du Coran, dans son invocation, donc Allah lui donne la force. Et par cela, il le nourrit et l'abreuve et le renforce. Wadih. Ceux qui ont dit que c'est une nourriture réelle, ils disent, on se base sur l'apparent du hadith. Il me nourrit et il m'abreuve. Et on ne se demande pas le comment. Les autres ont répondu, mais si c'était une vraie nourriture et une vraie boisson, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait rompu son jeûne. Donc il n'y a pas de wissal. Il n'y a pas de liaison entre les jours. Alors ça ne peut pas être une vraie nourriture et une vraie boisson. Au premier groupe de rétorquer, mais c'est une nourriture et une boisson du paradis.
Et ceci n'est pas considéré comme une nourriture et une boisson de cette terre. Donc, ça ne rentre pas dans le statut de ce qui est interdit et qui rompt le jeûne. Donc, ça fait continuer son jeûne. Et au deuxième groupe de rétorquer, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fait le wissal, on ne peut pas accepter que ce soit une nourriture, une boisson, que ce soit de cette terre ou du paradis, car Allah ta'ala a bien donné à Bani Israël al-manna wa salwa, et c'était considéré comme une nourriture et une boisson, il les nourrissait et les abreuvait avec cela. N'est-ce pas? Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah, a dit en considérant la nourriture et la boisson du prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqué dans le hadith, il dit, ce sont la délectation de la conversation et de la connaissance qu'Allah tabaraka wa ta'ala déverse sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il le détourne de la nourriture et de la boisson. Et ainsi, il peut s'en passer. Et s'il s'agissait de nourriture et de boisson tangibles, on n'aurait pas considéré qu'il aurait pratiqué un jeûne continu et il n'aurait pas dit « Qui parmi vous m'est semblable ?» C'est-à-dire, « Qui parmi vous m'est semblable dans sa relation avec Allah ?» Qui parmi vous m'est semblable qu'il se délecte et qu'il profite de son adoration d'Allah comme moi pour que ça puisse l'éloigner et le faire oublier et le faire se passer de la nourriture et de la boisson. Et c'est l'avis prépondérant développé par, comme on a dit, Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Certains comme Sheikh Najmi et d'autres ont renforcé aussi cet avis. Wallahu a'lam. Les questions qui ne sont pas liées au cours, Inch'Allah, ce n'est pas pour moi. Barakallahu fikoum. Il y a une question, en fait, la personne, il est malin. Parce que pour faire croire que c'est lié au sujet, il a parlé du fait de manger et de jeûner. Mais il veut parler des horaires de prière. Donc je ne sais pas si j'y réponds. Inch'Allah, je vais essayer de donner une indication. Il dit, avec tous ces calendriers qui sont en France, comment on fait pour arrêter de manger. Voilà, je vais vous donner une règle. Cette règle, Cheikh Al-Uthaymeen lui-même l'a énoncée il y a des années. Et il y a même, on la retrouve en audio et par écrit. Il y a même un frère de confiance qui l'a entendu de ses oreilles. C'est lui qui lui a posé la question et qui nous l'a rapporté, un frère de France. Ils lui ont demandé cette même question, exactement la même. Il a répondu, s'il y a plusieurs calendriers, alors l'obligation est de prendre celui qui est fait par des gens de confiance. S'ils sont égaux dans la confiance et dans leur fiabilité et dans leur connaissance de ce sujet, alors on prendra l'horaire le plus tard. Voilà la réponse de Cheikh Al-Athaymi. Barakallahu fikoum. Donc, on voit qu'il y a deux degrés. La première chose, on doit juger la fiabilité des gens qui ont fait les calendriers. À partir de là, on prend le plus fiable. Et les gens qui ont les meilleurs arguments et les plus fiables. Si on a cela, on ne se pose plus de questions. On prend le plus fiable et c'est tout. Si on n'est pas capable de connaître qui est le plus fiable, et on considère que tout le monde est aussi fiable, on prend l'horaire le plus tard pour le Fajr et l'horaire le plus tard pour l'Isha. Wallahu a'lam. Alors on voit ici un hadith du prophète alayhi salat wa salam, donc ce hadith rapporté par le Bukhari, qui est un hadith sahih, où Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne s'abstient pas de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence, ainsi que l'impudence, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ce hadith n'est pas venu interdire des choses pendant le jeûne qui ne sont pas interdites en dehors du jeûne. Ce hadith est venu appuyer et renforcer et confirmer l'interdiction de ces actes en tout temps, et encore plus pendant que quelqu'un est en état de jeûne, dans un état d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un état où il s'entraîne à délaisser des choses qui sont à la base halal pour lui pendant la période de jeûne, alors il est encore plus juste et plus à même de délaisser ce qui est haram en dehors du jeûne. Ce hadith, donc, qui
parle de s'abstenir de proférer des propos mensongers et d'agir en conséquence et l'impudence. Al-jahl, ça peut être l'ignorance. Al-jahl, c'est aussi l'injustice. En arabe, al-jahl, c'est dans le sens l'injustice et pas seulement l'ignorance. Ici, donc, c'est là ce qui est voulu ici par l'impudence ou l'injustice. Wal-jahla, c'est-à-dire le fait d'être injuste, d'opprimer les autres. Alors Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Dans le sens que cela diminue la valeur de son jeûne. Et qu'Allah n'accepte pas son jeûne, même s'il est valide. Et ça, c'est la parole de la grande majorité des savants, contrairement à Ibn Hazm, qui dit que le fait de faire ces actes-là annule le jeûne. Ibn Hazm al-Andalusi a dit, celui qui ment, ou qui profère des mensonges, ou qui agit en mensonge, ou qui fait de l'injustice, alors son jeûne est invalide. Pour lui, cela fait rompre le jeûne. Mais ceci est contradictoire à la parole de la majorité des savants, et on voit que ce hadith ne vient pas dans ce sens-là. Il vient juste dans le sens d'appuyer et de montrer qu'Allah Ta'ala n'accepte pas cet acte. Comme par exemple le hadith « Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba » Allah est bon et pur, il n'accepte que ce qui est bon et pur. Si quelqu'un il fait le hajj avec l'argent haram, Allah n'accepte pas de lui, mais son hajj est valide. Quand on dit il est valide, dans le sens qu'il ne sera plus obligé de faire le hajj de l'islam. Mais Allah n'a pas accepté de lui, c'est-à-dire il n'en recevra pas la récompense. Donc, ça, c'est dans le même sens. Celui qui ment, etc., qui fait de l'injustice ou les interdictions, cela diminue à mesure de ce qu'il fait comme interdiction, la valeur de son jeûne et la récompense de son jeûne, jusqu'à ce que cela puisse être refusé par Allah, dans le sens où qu'Allah n'accepte pas et ne le récompensera pas pour ce jour de jeûne. Quand, ici, il dit le qawl az-zur, les propos mensongers, ce sont les propos qui s'écartent de la vérité et qui devance le faux. Ainsi, cela comprend toutes les paroles illicites, comme le mensonge, la calomnie, la médisance, le faux témoignage, l'insulte, l'outrage, et autres. Tout cela rentre dans le qawl az-zur. Donc, les propos mensongers sont interdits en tout temps et en tout lieu. Mais le péché est encore plus grave quand il est commis en un temps méritoire comme le mois de Ramadan. Ou dans un lieu méritoire comme dans les territoires sacrés. Ou en état méritoire comme l'état de jeûne. Donc quand on est dans une période méritoire, dans un lieu méritoire ou dans un état méritoire, le péché est plus grave. Ça ne veut pas dire qu'il est doublé ou décuplé, mais c'est la gravité, le poids du péché, non pas sa quantité. C'est-à-dire, c'est pas par exemple ici, en dehors du jeûne, il compte un péché, pendant le jeûne, il compte deux ou trois péchés. Non, c'est la gravité du péché et non pas sa quantité qui est multipliée. Non. L'impudence ici, cela désigne la grossièreté qui, elle aussi, elle est interdite en toute situation, mais encore plus pour le jeûneur. Donc, le jahl, ici, cela désigne de parler grossièrement. Car on a dit, le jahl, ça peut venir dans le sens de l'ignorance, ça peut venir dans le sens de l'injustice. Et ici, la grossièreté est une injustice. Car la personne grossière a été injuste envers lui-même. Il n'a pas été juste dans sa parole. Il n'a pas utilisé des paroles justes. Qawlan sadid. Donc, s'il est injuste, il a fait du jahl. Non. Le jeûne qui est accompagné, comme on a dit, de propos mensongers, d'impudence et d'indécence et d'une signification imparfaite et à peu de récompense, car il n'est pas un jeûne complet dans l'état et dans la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Sa parole, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson, montre la gravité des propos mensongers et de l'ignorance et de l'impudence lors du jeûne. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala se passe de ses créatures et de ses œuvres en tout temps. Allah ta'ala n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Mais ici, c'est pour montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas cet acte, pour montrer
qu'Allah réprouve cette chose-là en tout temps et encore plus pendant le jeûne. Non. Le jeûne accompagné de propos illicites est en apparence valide et il est compté comme une obligation pour celui qui l'accomplit. Mais cela ne figure pas parmi ceux qui invalident, comme on a dit, le jeûne. Tous ces actes interdits ne sont pas considérés comme des actes invalidant le jeûne, mais ils lui diminuent juste sa récompense, comme on l'a dit auparavant. Et El-Wazir a rapporté l'unanimité des savants que cela n'invalide pas le jeûne, mais que là, cela diminue sa valeur simplement. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson » affirme la sagesse des rites et des adorations qui sont là pour éduquer les âmes. Donc comme le jeûne est là pour une éducation et comme un entraînement, pareil. Donc toutes les adorations sont une cause d'éduquer les âmes, le comportement et de réformer la nature bestiale et mauvaise de l'être humain. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Donc comme la prière, la salat, préserve de la turpitude et du blâmable, aussi le jeûne est là pour nous apprendre à être préservés de la turpitude et du blâmable et de la parole mensongère, etc. Donc le but ultime du jeûne, ce n'est pas seulement en soi de s'abstenir de tout ce qui l'invalide, mais c'est plutôt ce que cela entraîne comme refoulement des désirs et l'extinction de la fureur de la colère et la soumission de l'âme mauvaise et bestiale et initiatrice au mal jusqu'à ce qu'elle s'apaise et qu'elle soit une âme apaisée et qui se plie à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si rien de cela n'arrive, Allah tabaraka wa ta'ala ne prête aucune attention au jeûne, ne lui porte pas un regard d'acceptation subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là que l'on comprend ce hadith. Il faut dans ce cas, barakallahu fikoum, profiter de ce mois de Ramadan pour réformer nos manquements et corriger nos erreurs et corriger notre langue, nos comportements, notre regard, nos actes, nos paroles pour que l'on profite réellement de ce mois. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit, oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été prescrit à ceux auparavant? Certainement atteindriez-vous la piété. Donc l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre la piété, comme Allah l'a désigné lui-même. Qu'est-ce que c'est la piété? En résumé, on va donner une définition qui est plus complète, mais en résumé, c'est appliquer les obligations et délaisser les interdits. Donc l'objectif du jeûne, c'est cela. Apprendre à être un bon serviteur qui obéit à Allah, qui pratique ses ordres et s'éloigne de ses interdits. At-taqwa, la manière la plus complète qu'elle a été définie, c'est faire ce qu'Allah a ordonné selon une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire une science, en espérant la récompense d'Allah. Et délaisser ce qu'Allah a interdit selon une lumière provenant d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. Naam, excusez-moi, je lisais une question d'un frère. Assalamu alaikum, donc c'est dans le sujet, donc on va y répondre, inshallah. Si quelqu'un fait le siyam de Daoud, le jeûne de Daoud, un jour sur deux, mais il a peur de tomber dans le haram, c'est-à-dire qu'il a une incitation où son désir est fort, et il n'est pas marié, peut-il jeûner plusieurs jours consécutifs en rompant à Maghrib? Oui. Car c'est pour un besoin qu'il le fait. Il le fait en application du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne qui ne peut pas se marier parmi les jeunes hommes, qu'il jeûne. Donc il peut le faire. Il peut jeûner plusieurs jours consécutifs en rompant le Maghreb. Quand on dit plusieurs jours consécutifs, c'est-à-dire qu'il jeûne un jour, il rompt au Maghreb. Il jeûne le prochain jour, il rompt au Maghreb. Par contre, un conseil que je donne à ce frère, c'est qu'il ne mange pas trop au sahur. Car si quelqu'un mange beaucoup la nuit au Maghreb et au Sahour, cela ne diminue pas son désir, même s'il jeûne. Et ce conseil, les savants l'ont donné dans les livres de fiqh, ils l'ont bien expliqué, que pour que les effets positifs
on sente les effets du jeûne pour celui qui a un désir ardent, il ne faut pas qu'il mange beaucoup au sahur, il mange peu, pour que le jeûne ait un effet sur son désir et qu'il affaiblisse son désir. Car le repas, la nourriture, a un effet direct sur le désir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit le jeûne, il est comme une castration. Non. Wallahu a'lam. Donc, le hadith de Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, elle rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait alors qu'il était en état de jeûne. Mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sous une autre formulation, celle de Muslim, durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il spécifie que ceci même pendant Ramadan. Pas seulement dans un jeûne surérogatoire, pour celui qui voudrait le faire croire. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, la permission pour l'époux d'embrasser son épouse alors qu'il jeûne pendant le mois de Ramadan. Mais cela est limité par le fait qu'il sache que le baiser ne va pas exciter son désir, ni à lui, ni à son épouse. De même, qu'il lui est permis de caresser, s'il est sûr que cela ne va pas déchaîner le désir de l'un des deux. Donc les savants, certains savants, considèrent en cela la jeunesse et la vieillesse. Par exemple, personne âgée, qui sait que ça ne va rien lui faire, ça ne va pas exciter ni son désir ni celui à son épouse, il n'y a pas de mal. Mais par contre, un jeune qui a un désir ardent ou des jeunes mariés, alors ils évitent cela. Non, on va expliquer cela avec plus de détails. Al-Buhuti a dit « Embrasser est réprouvable pour qui va s'en trouver excité. Mais s'il pense que cela peut provoquer une éjaculation, cela est alors haram. Il n'est plus seulement réprouvable, mais c'est illicite. Sans aucun litige entre les savants. » Donc il dit il y a unanimité que si cela va provoquer une éjaculation, c'est haram. Cela n'est pas réprouvable pour qui ne s'en trouve pas excité, de même pour les caresses et le regard insistant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caressait alors qu'il jeûnait, mais il était celui qui maîtrisait le plus sa personne contre le fait que son baiser ne provoque une éjaculation ou une excitation. Ainsi Aïcha radiallahu anha a dit, mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir. Donc on peut distinguer trois cas de figure pour cette problématique. Premièrement, les caresses et baisers qui ne provoquent l'écoulement ni du sperme, el-mani, ni du liquide séminal, el-mavi. El-mavi, c'est le liquide séminal transparent, qui sort en petite quantité. Donc dans ce cas-là, dans ce premier cas de figure, les savants sont unanimes pour dire que cela n'invalide pas le jeûne. Le deuxième cas de figure, les caresses et baisers qui provoquent l'écoulement de sperme, el-mani. On rapporte à ce sujet une unanimité des savants disant que cela invalide le jeûne. Le troisième cas de figure, les caresses et baisers qui provoquent l'écoulement du liquide séminal, el-mani, mais pas le sperme, pas el-mani. Les savants divergent sur ce point, mais l'avis prépondérant est qu'ils n'invalident pas le jeûne. El-Maliki, par exemple, ils disent que ça invalide le jeûne. Non, même el-mani. Le sahih, c'est qu'il n'a rien qui prouve que le mani invalide le jeûne. Il y a, comme Cheikh Al-Albani, par exemple, et d'autres qui l'ont suivi sur cet avis, considèrent que l'écoulement du mani, autre que en faisant le rapport sexuel, n'invalide pas le jeûne. Et il dit il n'y a aucune preuve sur cela que cela invalide le jeûne. Il dit que c'est interdit car cela peut exciter la personne et faire l'acte, mais cela n'invalide pas le jeûne. En réalité, wallahu a'lam, comme on a pu lire que certains rapportent l'ijma' que cela annule le jeûne. Deuxièmement, il y a le hadith où Allah Ta'ala dit qu'il laisse sa nourriture, yada'u ta'amahu wa shahwata, et son désir. Et l'écoulement du sperme, ça rentre dans la shahwa.
Donc quand Allah parle du jeûneur, il dit, il délaisse sa shahwa. Et la shahwa n'est pas limitée au rapport sexuel. Donc, cela prouve bien que le fait de délaisser l'écoulement du sperme, que ce soit par n'importe quel moyen, rentre dans ce qui est obligatoire de délaisser et que l'écoulement du sperme, volontairement, annule le jeûne. Non. Pour finir, et après je vais prendre la parole, je vais écouter le frère. Sa parole, mais il était celui de vous qui maîtrisait le plus son désir, indique que celui qui ne maîtrise pas son désir lorsqu'il embrasse ou caresse, cela lui est illicite lorsqu'il accomplit un jeûne obligatoire. Bien sûr, un jeûne surérogatoire, il a le choix de rompre son jeûne. Donc s'il a envie de rompre son jeûne et d'approcher sa femme, bah, il rompt son jeûne et il approche sa femme. Il n'y a pas de souci en cela. Non. Wallahu a'lam. Non, akhi. Oui, on va en parler. Donc quand c'est involontaire, que ce soit un sommeil dans la nuit ou même un sommeil dans la journée, et on se réveille dans cet état-là, il n'y a pas de mal. On fait juste le roussel et on continue le jeûne, inch'Allah. Ce qui est interdit, c'est de faire les causes amenant à l'éjaculation. Non. D'ailleurs, il y a certaines causes qui sont illicites en dehors du jeûne et pendant le jeûne, comme la masturbation. Mais pendant le jeûne, c'est pire, car la personne a fait un acte illicite pendant le jeûne et il a annulé son jeûne. Donc imaginez combien de péchés il accumule. Non. Une question, peut-on mâcher la nourriture pour savoir si elle est bien cuite sans avaler? Les savants ont dit qu'il est permis de goûter la sauce par exemple, ou de voir si elle est bien cuite sans avaler en recrachant. Le goût qui reste dans la langue ne nuit pas, si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, ils le font pas, Inch'Allah. Mais cela n'annule pas le jeûne. Non. Donc on va lire d'abord les trois hadiths et parler un petit peu sur les hadiths avant de rentrer dans l'explication, Inch'Allah. Le premier hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait pratiquer la hijama en état de sacralisation, mais aussi alors qu'il jeûnait. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Le deuxième hadith dans ce chapitre, le hadith de Shaddad ibn Aws. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un homme au cimetière de l'Baqi'a, alors que celui-ci subissait une hijama pendant le mois de Ramadan. Et il dit, celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le jeûne. Ce hadith, il est aussi authentique, apporté par Tirmidhi. Il a été rendu authentique par Ahmed ibn Khuzaima ibn Hibban et autres. Il a été rapporté par autre que Tirmidhi aussi. Le troisième hadith dans ce chapitre, le hadith d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il rapporte, la première fois que Al-Hijama fut réprouvée pour le jeûneur fut lorsque Ja'far ibn Abi Talib se faisait pratiquer Al-Hijama alors qu'il jeûnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de lui et dit, ces deux-là ont rompu leur jeûne. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis Al-Hijama pour le jeûneur et Anas se faisait pratiquer Al-Hijama alors qu'il jeûnait. Ce hadith, il y a beaucoup de paroles autour de sa véracité, on va détailler un petit peu. Certains, parmi les savants, déjà l'imam Dharqutni, il a dit qu'il était fort, il était acceptable ce hadith. Certains parmi les savants considèrent qu'il est faible, à cause d'un rapporteur qui s'appelle Khalid ibn Abdullah dans la chaîne de transmission. Mais on voit que ce hadith, il a été rapporté aussi par Abu Sa'id ibn al-Khudri dans Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique où Abu Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu a dit « La hijama était réprouvée au début » à cause de la faiblesse que cela engendrait aux gens. Et il a dit, ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé la hijama à cause de la faiblesse que cela engendrait aux gens. Il a été rapporté aussi dans le sahih d'Ibn Khuzaymah,
Mawqufan ila Abi Sa'id. Donc la première, c'est un hadith marfou' ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans Tabarani. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre qui est rapportée dans le Sahih d'Ibn Khuzayma, qui est une parole d'Abu Sa'id ibn al-Khudri, qui a rapporté le même sens que ce hadith marfou'. Et en réalité, même ce hadith de Anas ibn Malik, certains, comme l'imam ibn Hajar, a considéré que les rapporteurs, tous les rapporteurs qui étaient dans la chaîne de transmission, sont les rapporteurs de l'Bukhari. Et l'imam al-Albani, rahimahullah, aussi a considéré que le hadith était acceptable. Donc nous dirons que de toute façon, le sens de ce hadith, que ce soit ce hadith lui-même, ou le sens de ce hadith a été prouvé d'une manière authentique. Non. Pourquoi on s'attarde autant sur ce dernier hadith? Car c'est très important pour comprendre le statut de la hijama pendant le jeûne. On voit ici trois hadiths qui parlent de cela. Le premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi la hijama pendant qu'il jeûnait. Le deuxième, où il est passé à côté de deux personnes dans le Baqir pendant Ramadan et il a dit « Celui qui pratique et subit la hijama a rompu le jeûne ». Et le troisième, où il a dit cela, mais après, Anas ibn Malik rapporte que par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis cela. A permis cela. Donc, on en déduira que il est permis pour une personne qui est en état de jeûne ou en état de sacralisation, c'est-à-dire il fait une umrah ou un hajj, de subir une hijama. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a subi alors qu'il était en état de sacralisation et il l'a subi alors qu'il était en état de jeûne. Donc, ceci est suffisant sans même comprendre le hadith de Anas ibn Malik ou prendre en compte le hadith de Anas ibn Malik. Donc, certains savants ont considéré que le hadith qui interdit la hijama a été abrogé. Qu'il était légiféré au début par miséricorde pour le jeûneur, pour que cela ne l'affaiblisse pas. Comme il a été rapporté dans le hadith que de Tabarani, de Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé la hijama à cause de la faiblesse que cela engendre. Donc, ils disent que cela a été abrogé par ces hadiths et par le hadith de Anas ibn Malik qui montre qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la hijama. Et cela a été rapporté aussi par d'autres chaînes de transmission qui sont plus fortes que celle-ci. La sagesse en cela, c'est que le fait de faire le hijama, ça retire du sang du corps du jeûneur. Et ça cause ainsi une fatigue et une faiblesse qui viennent s'ajouter à la faiblesse causée par le jeûne. Ainsi, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs impliquait que la hijama invalide le jeûne afin que plusieurs causes de faiblesse ne s'additionnent pas en même temps et que ce soit dur pour la personne de jeûner. Mais après cela, cela a été permis tout en disant que c'est détestable si cela va causer la faiblesse ou va pousser la personne à rompre le jeûne. Donc on peut comprendre le hadith de plusieurs manières. Ou bien on dit que cela a été abrogé, ou on dit que ce n'est pas abrogé, mais que l'interdiction reste une réprobation et non pas une interdiction formelle, et dire que c'est détestable de pratiquer la hijama pendant le jeûne, sauf si on en a besoin, si on en a un fort besoin, et qu'on ne craint pas que cela nous pousse à rompre le jeûne, car on va être trop faible. Car la personne, pendant qu'il subit la hijama, certaines, elles s'évanouissent, elles perdent conscience. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la hijama de la même manière. Il y a des personnes, ils ont 20 verres sur eux, ça ne leur fait rien du tout. Il y a une personne, on lui tire un peu de sang, il perd conscience. Donc, tout le monde n'est pas de la même nature. Non. Ce statut juridique est valable aussi pour la saignée pratiquée sur une veine ou bien la prise de sang importante. Car tout ceci fait sortir du sang du corps, donc c'est la même cause. C'est réprouvable, surtout si cela va être la cause d'affaiblir la personne. Et nous, on conseillera que la personne évite, pour sortir de la divergence des savants, d'appliquer la hijama pendant Ramadan pour qu'il préserve ses adorations. Et il est préférable toujours, toujours, quand on peut sortir de la divergence des savants et prendre la sécurité, c'est mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne, elle peut
éviter de faire le hijama pendant Ramadan. Pourquoi elle va essayer absolument d'aller le faire pendant Ramadan? Alors qu'on sait que certains savants considèrent que ça fait rompre le jeûne. Non. Par contre, même chez les savants qui considèrent que la hijama est interdite pendant le jeûne et que cela peut annuler le jeûne, ils n'interdisent pas l'écoulement d'une petite quantité de sang ou bien quand on fait une extraction de dents ou une prise de sang pour une analyse ou une blessure. Tout cela, ça ne fait pas rompre le jeûne, même chez les savants qui voient que la hijama est interdite et invalide le jeûne. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aftara hadani » Donc on dit d'accord, celui qui subit la hijama. Mais comment ça, celui qui pratique la hijama? Il faut savoir que la hijama, auparavant, c'est pas avec les ventouses qu'on connaît aujourd'hui. Ou avec les flammes comme ils font. Avant, ils utilisaient des cornes d'animaux. Des cornes. Qu'ils mettaient sur le dos de la personne. Et la personne qui pratiquait la hijama aspirait fort avec sa bouche. Donc, ça pouvait le pousser à rompre le jeûne, à avaler du sang. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aftara al-hajim wal-mahjoum ». Non. Wallahu a'lam. Aïcha radiallahu anha rapporte « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est appliqué du khul ou du ismed pendant le mois de Ramadan alors qu'il jeûnait, mais ce hadith est faible. D'ailleurs, Ibn Majah, il l'a rapporté avec une chaîne de sang transmission faible. Et l'imam Tirmidhi a dit, il n'y a rien d'authentique qui a été rapporté dans ce sujet, dans le fait de mettre du khul ou non. Donc la base, c'est que c'est permis. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit, le khul est permis aux jeûneurs, qu'il s'agisse d'un jeûne surérogatoire ou obligatoire, et qu'ils en sentent le goût dans la gorge ou non. Ceci, car si on dénombre ceux qui invalident le jeûne, nous ne trouvons pas le khul dedans. De plus, l'invalidation n'est pas liée à ce qui parvient à la gorge, mais au ventre. Parce que ceux qui disent qu'on ne doit pas utiliser le khul pendant le jeûne, ils disent car on peut en sentir le goût dans la bouche ou dans la gorge. Certains savants ont donné l'exemple, il a dit parfois il y a certaines huiles, quand on se masse même la peau avec ou même le pied, on en sent le goût dans la gorge. Mais ça n'annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne, c'est d'entrer de la nourriture ou de la boisson ou quoi que ce soit par les orifices naturels par lesquels habituellement on boit et on mange, ou bien que la boisson et la nourriture puissent entrer, la bouche ou le nez. Par contre, si ça rentre par les oreilles, quand on met des gouttes dans les oreilles ou des gouttes dans l'œil ou quoi que ce soit, cela n'annule pas le jeûne. On va parler aussi du fait celui qui a une perfusion. Si c'est une perfusion médicamenteuse, il n'y a aucun mal, qu'elle soit musculaire ou intraveineuse. C'est des antibiotiques, c'est je ne sais quoi, des médicaments. Par contre, si c'est une perfusion nourrissante, comme du glucose, etc., alors cette personne devra rattraper ces jours-là de jeûne. Il sera considéré comme le malade qui a été obligé de se nourrir. Certains savants, comme Cheikh Firkous, hafizahullah, considèrent que cela n'annule pas le jeûne, que cela ne va pas dans l'estomac, même si ça renforce le corps, mais il ne trouve pas le plaisir et le délice et le goût de manger et de boire. Et ce qui est réprouvé, c'est le plaisir et non pas le fait de se renforcer ou non. Wallahu a'lam, c'est quand même dans le sens de la nourriture, car cette perfusion de glucose remplace quand même la nourriture. La personne peut rester des mois et des années comme ça. Donc, Allahu a'lam, celui qui subit une perfusion de glucose, il rattrapera son jour, inshallah, de jeûne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Non, la suite. Là, on va parler du cas de celui qui mange et qui boit par oubli. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui, par omission, boit ou mange durant le jeûne, complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Ce hadith, il est sahih, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et Al-Hakim, rahimahullah, a rapporté une autre version qui ramène une précision utile. Celui qui par omission rompt le jeûne durant le mois de Ramadan, n'est tenu ni de rattraper son jeûne, ni de s'acquitter d'une expiation. Et le hadith, Al-Hakim l'a considéré authentique. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit que c'est un hadith acceptable dans Irwa Al-Ghalil. Donc,
on en tire comme enseignement que boire, manger ou se faire vomir, volontairement rompt et invalide le jeûne. On va voir le hadith de se faire vomir volontairement, il vient après. Et cela fait l'objet d'un consensus entre les savants. Par contre, la personne qui boit ou qui mange involontairement, par oubli, cela ne fait pas rompre son jeûne et qu'il poursuive son jeûne. Par contre, dès qu'il s'en rend compte, il ne continue pas à manger ce qu'il a dans sa main ou dans sa bouche. Dès qu'il se rappelle qu'il est en état de jeûne, il enlève même ce qu'il y a dans sa bouche, il le recrache. Il se rince, il ne se dit pas, c'est pas grave, j'avale la dernière gorgée ou maintenant que j'ai mangé. Là, cette dernière gorgée, c'est celle-là qui lui a fait rompre le jeûne. Regardez. Dès qu'il le sait, ça y est, il est responsable. Par contre, par oubli, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Donc, il n'a pas de péché. Et le hadith vient prouver aussi qu'il n'a pas à rattraper, que ce soit un jeûne surérogatoire ou même Ramadan. Contrairement à ce qu'affirme Al-Malikiyya, eux, ils obligent de rattraper ce jour-là. Non. Et le sens de la parole, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé, et que par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité cette nourriture et cette boisson en lui faisant oublier son jeûne et sa condition. Ainsi, cela est devenu une substance permise, accordée par Allah, comme cela apparaît dans la formulation de Tirmidhi. C'est une subsistance qu'Allah lui a accordée et qu'il n'a pas tenu de rattraper ce jour de jeûne. Naam. De même que celui qui a mangé ou bu par oubli, il n'a aucune expiation pour rattraper cela. Il n'a rien à faire. Il continue juste son jour de jeûne. Ni il ne doit faire al-qada, ni al-kaffara. Ni rattraper, ni expier ce jour dans lequel il aurait mangé ou bu de manière involontaire. Donc pour que le jeûne soit invalide, si on commet ce qui est invalide de manière générale le jeûne, il faut réunir trois conditions. La première, c'est d'avoir conscience de ce que l'on fait, au contraire de celui qui oublie. La deuxième est de savoir ce que l'on fait, au contraire de celui qui ignore la règle ou la situation. Par exemple, quelqu'un, il ne sait pas, il ignore, il a demandé, mais ce n'est pas toute ignorance qui est pardonnée. Par ignorance, il a pris un médicament. Il se dit, c'est pas de la nourriture. Après, on lui informe qu'il n'a pas le droit. Alors, cette personne, il s'abstient. Donc, chez certains savants, ils disent, celui-là, il n'aura pas à rattraper. Ça n'annule pas son jeûne, car il l'a fait par ignorance. La troisième est de vouloir cela. Au contraire de celui qui est contraint. Celui qui le fait par contrainte ou par erreur. Par exemple, quelqu'un, il est en train de faire le wudu. Sans faire exprès, il avale de l'eau. Et il ne rattrape pas ce jour-là. Mais il doit faire attention, mettre en pratique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Balir filistin shaqi illa an takuna sa'ima » Exagère dans le lavage nasal, sauf si tu es en état de jeûne. En état de jeûne, il faut faire attention de ne pas exagérer justement pour éviter d'avaler. On fait le dernier hadith et on s'arrête, inshallah. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son jeûne, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. Le hadith, il est authentique et il est rapporté par Abu Daoud et Cheikh Al-Albani il l'a rendu authentique dans Irwa Al-Ghalil. On peut tirer comme enseignement de ce hadith que ce hadith est une preuve que celui qui est contraint de rompre le jeûne, son jeûne n'est en réalité pas rompu. C'est-à-dire, sans faire exprès, on voit là ici que, par exemple, si quelqu'un il est contraint par le vomissement, alors que le vomissement fait sciemment, rompt le jeûne, par consensus des savants, on voit ici que s'il a été contraint, cela ne rompt pas le jeûne. Donc on comprend de ce hadith que les actes rendant le jeûne nuls, qui sont faits par contrainte,
n'annule pas le jeûne en soi-même. Donc, pourquoi ? Car cela est fait sans la volonté de sa part, et on ne peut lui attribuer l'acte. Et il est dit dans le hadith, on a pardonné à ma communauté la faute, l'oubli, et ce à quoi ils ont été contraints. Ce hadith rapporté par Ibn Majah, et qui est un hadith sahih. Quant à celui qui provoque le vomissement lui-même, il doit rattraper ce jour de jeûne, car il aura rompu volontairement le jeûne. Se faire vomir, ça fait rompre le jeûne. Autre chose, la personne qui a été contrainte de vomir, et sans faire exprès, il a ravalé une partie de son vomi. Celui-là aussi n'a rien à faire. Par contre, si il avale intentionnellement une partie de son vomi, il aura rompu son jeûne. Wadih. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a ramené tous ceux qui annulent le jeûne à deux choses. La première est ceux qui amènent au corps de la nourriture et de la force. Donc comme la nourriture, la boisson et tout ce qui entre dans ce sens-là. La deuxième est ceux qui sortent du corps en provoquant faiblesse et fatigue. Comme ici le fait de vomir et pour ceux qui considèrent la hijama comme un annulatif. Et qui a été interdit par miséricorde envers le jeûneur afin qu'il ne réunisse pas la faiblesse provoquée par le jeûne et ceux qui fatiguera son corps. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oui, dans certains calendriers, on voit une colonne qui se nomme Imsak avant le Fajr. Quel est son statut, son jugement? C'est une bid'a. Ibn Hajar al-Asqalani le rapporte dans Fath al-Bari, déjà à son époque. Il dit l'Imsak avant le Fajr, par sécurité, est une bid'a. C'est une innovation. Et on a rapporté dans le hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait sahur jusqu'au point où entre le moment où il finissait de manger et l'accomplissement de la salat, il n'y avait que le temps de lire 50 versets. Se faire vomir. Si on se penche en avant, car on sent que cela n'est pas passé. Cela est-il considéré par se faire vomir? Non. Non, non, si on sent que le vomi arrive, on ne va pas rester debout. On se penche en avant, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Se faire vomir, c'est la personne qui provoque le vomissement en sentant une odeur désagréable exprès ou en rentrant ses doigts dans sa gorge ou ce genre de choses. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan.